place I put the solid gold. C'est aussi en vidéo. Et on a avec nous, nul autre que les Buddy McNeil. Ça va bien, In the Magic Mirror, faut quand même le dire. Hey, salut tout le monde! Hey. Je suis contente de vous avoir avec moi aujourd'hui pour parler de votre show au Cercle de 23h30, un after hour du Festival d'été de Québec. Est-ce que justement pour vous, c'est une plage horaire qui vous plaît, ça, d'être dans la nuit comme ça? Oui, tout à fait. On est habitué à ces plages horaires-là, puis on adore ça. On a déjà joué plus tôt, puis on était déstabilisés, là. Ça n'avait pas de sens. La nuit, c'est un band de nuit, parce qu'il faut que tu sois sous un peu pour tout assimiler ce qui se passe. Est-ce que vous êtes sous un peu quand vous composez ces tunes-là? Parce qu'il semble avoir énormément de plaisir, du moins en le faisant. Est-ce qu'il y a un peu d'alcool pour agrémenter le tout? On laisse l'alcool au public. C'est du public que je parlais. Non, moi, je suis chaud quand je joue tout le temps. C'est là qu'on sort les secrets du band. J'ai envie de vous parler de votre musique, surtout. Comment dire, un brin beatlesque, certainement un peu rétro, mais définitivement rock and roll. C'est quoi vos influences communes pour ce band-là? On en a plusieurs. Ça dépend des mois et des semaines. On aime beaucoup The OCs. On aime... qu'est-ce qu'on aime déjà? Ça fait pas mal le tour. On aime Foxygen, Mac DeMarco qui est ici. Qui est ici du Québec. La scène garage un peu californienne, c'est ce genre de truc-là. Puis les groupes montréalais aussi, justement, Mac DeMarco, le Kid, les Marinelli, nos amis. Là, les Breastfeeders. Les Breastfeeders, nos grands-parents. Là. Je pense qu'une des forces des Buddy McNeil, c'est qu'on a tous des influences assez différentes. Malgré le fait qu'on aime tous un peu ce genre-là, on écoute beaucoup de styles de musique. Sébastien nous arrive souvent avec des choses nouvelles. Isa est plus dans le garage. Alexis, lui, il nous arrive tout le temps avec des B-sides d'artistes des années 50, bizarres. Puis moi, je sors les bandes que tout le monde connaît. Là. C'est l'impression que tu as, mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Non, mais je pense que c'est la vérité que ce qui fait les Buddy McNeil, c'est toutes ces influences-là mélangées. Autant les nouveaux bandes qui sortent qu'on adore, autant les anciens. C'est ça nos influences, c'est la bonne musique en général. C'est sûr qu'on l'a dit un petit peu tout au long de la journée,
on essaye toujours des nouvelles choses, on explore, on essaye des nouvelles avenues, mais ça reste toujours que notre son, c'est notre son. Fait qu'on aura beau essayer, autant qu'on voudra d'en sortir, ça va tout le temps sonner comme les Buddy McNeil. Fait qu'on essaye, mais ça marche pas. C'est, ça sonne comme nous. Dans la vie, il existe deux types de musique, la bonne puis de la mauvaise. Et vous, vous vous classez dans laquelle? Question. Même on aimerait ça que ça soit bon, mais on n'est pas assez bon. T'sais, on joue comme des pieds, mais c'est ça qui fait notre, c'est notre charme. C'est notre charisme. Non, mais c'est vrai, on n'a pas, à part Nicolas et Étienne, qui est notre nouvelle acquisition d'ailleurs, on a un cinquième membre officiel dans les Buddy McNeil. Mais à part Nicolas et Étienne, c'est vrai qu'on n'est pas des musiciens de formation, on n'est pas allés à l'école, on est tous des gratteux de guitare. Je pense que ça ajoute au charisme et au charme des Buddy McNeil. Parce que ça fait en sorte que ben on a vraiment plus de plaisir que d'autres choses. Au lieu de réfléchir, on joue. Ben, ça fonctionne bien. Puis j'ai envie de poser la question à Étienne. Comment c'est de travailler avec ces joyeux lurons? D'ailleurs, tu as une très, très, très belle guitare. Ben c'est le fun. Non, pour vrai, c'est. Ben, moi, ça fait peut-être 3 semaines. Là, fait que j'ai dû apprendre tout le répertoire en vitesse. Mais non, c'était partie de plaisir. Là, j'ai hâte à ce soir parce que on va mettre en pratique, appliquer ce qu'on a mis en pratique. En tout cas, je ne sais pas. Ce qu'on a fait en pratique. Mettre en pratique ce qu'on a fait en pratique. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire. Je pense que c'est clair. En terminant, je veux vous demander, c'est quoi les projets pour les prochaines semaines pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment en différé, qui peut-être vont vous manquer au cercle? Tourner en Gaspésie, 20 juillet, début août. Ouais. Fin juillet, début août, Gaspésie, Côte-Nord. Et après ça. Ouais, quelque chose ici et là, qu'on n'est pas très bon avec les dates. Donc, on n'est pas très. Il y en a une qui est bonne avec les dates, c'est Isabelle. Parce qu'elle est attachée de presse, mais quand vient le temps d'avoir ton band, c'est ça, cordonnier mal-chaussé un petit peu? Exactement. Cordonnier mal-chaussé, je ne peux pas te dire les dates de mon propre band, mais. On joue le 9 août en quelque part. Le 9 août en quelque part, c'est à surveiller les Buddy McNeil. Sinon, on se rend via votre page Facebook, sans doute. On vient d'entendre le 27 juillet à Sept-Îles. Et le 27 juillet à Sept-Îles? À Lens-au-Griffon, le 3 août à Lens-au-Griffon. Donc, vous aurez plein de choix pour aller voir les Buddy McNeil. Sinon, ça se passe ce soir au Cercle à 23h30. Merci beaucoup d'avoir été là.